بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه واعلموا أن من نعم الله علينا وسائل النقل البرية والبحرية والجوية هيأها الله عز وجل لنا وسخرها وعلم خلقا من خلقه لاختراعها وتكوينها لونش au seul digne de louange, le maître des mondes, le créateur de toute créature, qui dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Az-Zukhruf, au verset 12, « Et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures. » J'atteste du fond du cœur qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique, sans associé. Et j'atteste que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah subhanahu wa ta'ala répande sur lui sa grâce et sa miséricorde, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur tous ceux et celles qui le suivront sur le droit chemin jusqu'à la rétribution finale. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons parmi ces heureux récipiendaires, serviteurs d'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachons que les moyens de transport terrestre, maritime et aérien constitue l'un des innombrables bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Il les a préparés pour nous et les a soumis à notre service et a doté certains d'entre nous du savoir de les fabriquer ou de les inventer et nous a permis de les utiliser. C'est le cas des montures, des chevaux, des chameaux, les vélos, les motos, les voitures, les avions et autres. Mes frères et sœurs, en l'islam, il faut croire en Allah et croire en aux dispositions qu'il a prises pour nous rendre heureux dans ce bas monde. Sinon, n'eût été la soumission qu'il a imposée à ses bestiaux. Imaginez quelqu'un comme moi ou semblable à moi cherchant à monter un chameau. N'eût été la soumission que Dieu lui a imposée pour nous. Les plus forts que nous sur le plan physique et autres. La même chose pour le cheval. Il faut donc croire en cela, accepter cela et se conduire conséquemment. Vous l'avez très bien compris aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le secrétariat général des affaires religieuses a décidé de jeter un coup d'œil sur la circulation, l'utilisation de la voie publique. Qu'est-ce que nous en faisons?
Ce joyau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour nous permettre de nous déplacer, pour faciliter nos déplacements. C'est des choses qui sont simples à dire, mais si on n'apporte pas une réflexion, on ne comprendra pas à sa juste valeur cet outil de transport. Interroger nos aïeux qui parmi eux ont marché d'ici Guinée jusqu'à la Mecque pour aller accomplir leur devoir. Demandez-leur quelle est la portée de l'avion, quelle est l'importance de l'avion, ils sont mieux placés pour nous le dire. Mais servons-nous de leur expérience pour comprendre ce bienfait et remercier la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a répandu sur nous. Avant, vous faites des années pour arriver à la Mecque, si c'est à pied. Aujourd'hui, vous montez l'avion, vous êtes même capable de dormir jusqu'à atterrir, on vous réveille, hey, tu es arrivé. Tout ceci, ça fait partie de la miséricorde d'Allah sur sa créature, surtout sur les hommes. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que ces engins roulants, parmi tout ce que Dieu a assujetti pour nous permettre de voyager, ces engins roulants sont accessibles aujourd'hui à beaucoup de gens. Et ces engins sont conduits par toutes les catégories de personnes, des sages, des moins sages, voire même des insouciants, des jeunes, des adultes et des vieilles personnes. La question qui vaille d'être posée est la suivante. Les avons-nous bien utilisés ou en avons-nous abusé pour se retrouver devant le bilan macabre que nous connaissons aujourd'hui sur la circulation? Frères et sœurs en la foi, chers croyants, chers concitoyens, les accidents de circulation font des victimes dont le nombre est comparable à celui consécutif à une guerre destructrice avec des équipements lourds occasionnant des pertes en vies humaines. Et lorsque l'accident arrive, ce sont les biens qui s'en vont. C'est encore de l'argent qu'on débourse à l'hôpital. Les hôpitaux, à l'occasion, sont submergés par les blessés. Et ça, c'est au meilleur des cas. Et les cimetières sont inondés de morts, au pire des cas, laissant derrière eux des orphelins et des veuves, pour la plupart du temps. Frères et sœurs en la foi, les accidents peuvent provoquer également les mutilations que nous connaissons, les amputations de mains ou de jambes, les fractures, la paralysie, voire l'invalidité. À cet effet, mes frères et sœurs, en la foi, tous ces accidents tragiques sont le résultat de l'utilisation abusive de ces moyens de transport, à propos de quels moyens de transport Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. وَتَحْمِلُ أَسْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous parler de ces montures, de ces moyens de transport, dit dans le Saint-Coran, dans la surat An-Nahl, les abeilles, du verset 7 au verset 8. Et il porte vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Et les chevaux, et les mulets, et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Frères et sœurs, à la fois, nous savons tous avec certitude
que les accidents de circulation ont augmenté et augmentent de jour en jour. C'est une perte énorme pour la nation. Et ses causes résident dans la mauvaise conduite, entre autres, l'excès de vitesse, la somnolence au volant, le non-respect des feux de circulation, le mauvais état des engins ou la remise de ces engins à certains jeunes immatures, insouciants, n'ayant souvent même pas appris à conduire. Toutes ces raisons peuvent être évitées si nous respections les instructions des autorités de la police routière et que nous acceptons de nous approprier de cette vérité qui nous dit « Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj ». En d'autres termes, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, frères et sœurs en la foi, craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala pour nous-mêmes, pour nos familles et nos concitoyens. Et engageons-nous à maintenir l'ordre de la circulation et coopérons avec toutes les personnes responsables de la sécurité routière afin que nous trouvions la sécurité pour tous. Le prophète paix et salut sur lui dit, nous allons bien retenir cela et l'utiliser à bon escient pour nous et pour notre pays. Je le cite. La disparition de ce monde est préférable pour Allah que le meurtre injuste d'un musulman. Je pense que en islam, on n'a pas besoin de trop de démonstrations pour comprendre l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ce qu'il a créé. Et quoi de plus normal? Si vous détenez quelque chose, vous avez le souci de la conservation de cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour des objectifs bien précis. Il n'aimerait que pour rien au monde, quelque chose nous arrive de malheur, pour que nous soyons en mesure d'accomplir notre devoir dans ce bas monde avant de regagner notre Qiyama. Et l'une des choses pour ne pas être trop à l'extrême, l'une des choses sans lesquelles rien n'est possible, c'est la vie. Sans la vie, on ne parle pas de l'individu, on ne parle pas de prière, ni de zakat, ni de hajj, ni de quoi que ce soit. Donc la préservation de cette vie est une priorité des priorités de l'islam. Imaginez, le prophète va jusqu'à dire que détruire toute la terre, tout ce monde-là, le rendre néant, est préférable pour Allah, le Créateur, que de verser, de tuer plutôt injustement une seule personne sur cette terre. Qu'Allah nous fasse comprendre les valeurs de l'islam. Qu'Allah nous les fasse comprendre et qu'Allah fasse que nous les prenions au sérieux. Ça y va de l'intérêt de notre propre sécurité, donc de notre propre vie et de celle de nos concitoyens. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن الحفاظ على الأرواح من ضروريات الإسلام والإنسان أكرم المخلوقات على الله تعالى ونفسه ليس ملكا له ولا لأحد من الخلق لذا حرم الله الاعتداء عليها قائلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, l'unique sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux et celles qui le suivront sur le chemin de la vérité, sur le droit chemin, jusqu'au jour de la rétribution finale. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi ces heureux récipiendaires. Serviteur d'Allah, sachez que la préservation de la vie humaine est l'une des nécessités de l'islam et l'homme est la créature la plus honorable pour Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et son âme n'appartient ni à lui-même, ni à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que c'est vous que votre âme vous appartient. Elle ne vous appartient pas. Si vous ôtez votre propre âme, vous avez une âme yawm al-qiyama à rembourser. Si vous-même vous ôtez votre propre vie, ayez une vie avant d'arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle ne vous appartient pas. À plus forte raison à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en la foi, Allah a interdit d'attenter à la vie d'un être humain tout court, en disant ceci dans le Saint-Coran. Je crois que la compréhension du sens de ce verset nous aurait permis d'éviter beaucoup de catastrophes, et ici et ailleurs, partout dans le monde. Dieu dit dans la sourate Al-Ma'ida, au verset 32, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Mes frères et sœurs, à la fois, ce verset doit nous faire frémir. Ce verset doit nous permettre de prendre garde, de prendre soin de nous-mêmes et de préserver la vie d'autrui. Que ce soit sur la route, que ce soit dans nos relations personnelles, partout où nous sommes, nous devons préserver même la nature, à plus forte raison, la vie humaine. Le prophète, paix et salut sur lui, dit ceci. Je souhaite que cela soit parmi ce que nous allons retenir au cours de ce vendredi, ce sermon. Je le cite. Celui qui se tue avec un fer à l'au-delà, son fer sera dans sa main, et il se poignardera avec dans son estomac, dans le feu de l'enfer, et il y demeurera pour toujours. Quand on parle du fer, il faut le prendre dans son sens le plus large. Il faut entendre la voiture, il faut entendre le vélo, il faut entendre l'avion, il faut entendre le couteau. Il faut entendre tout ce qui est fait. Si on le fait exprès, un accident survient par exprès, par inadvertance, parce que tout simplement on n'a pas appris, alors qu'on sait qu'on ne doit pas conduire sans avoir appris. On sait qu'on a sommeil, au lieu de se reposer, on force la situation. Ou quelque chose de ce genre, quand c'est fait exprès, cela est considéré comme celui qui ôte son âme, ou qui ôte l'âme d'autrui à travers le fer. Et il aura ce fer yawm al-qiyama en train de se poignarder sans limite dans le temps. Parce que là-bas, le temps ne compte pas. Pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas une année, deux ans, il n'y en a pas. On vit pour l'éternité. Et quand on est soumis à ce genre
Je supplie mes frères, il faut l'éviter parce que nous sommes encore dans ce bas monde où nous pouvons tout vérifier, tout rectifier avant d'aller Yawm al-Qiyama. Yawm al-Qiyama, ce n'est pas le lieu où on vient demander pardon, ce n'est pas le lieu où on vient adorer Allah. Tout se passe ici et ce qu'on aura fait ici, c'est ce qu'on va récolter Yawm al-Qiyama. Fasse Allah que nous ayons la bonne récolte. Fasse Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons épris de la bonne moralité et de son application sur le terrain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin et nous évite les accidents que nous connaissons à longueur de journée. Qu'Allah tire les esprits vers ce qui est bon pour la Guinée et les Guinéens et qu'il nous maintienne sur le chemin de la droiture jusqu'au jour où il va nous reprendre. Allahumma ja'alna ma'allazina yasma'una al-qawla ويتبعون أحسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا بما تحبه وترضى وآمنا في ديارنا وأوطاننا وفقهنا في ديننا اللهم يسر لنا أمورنا ولا تؤسرها لنا يا عزيز غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة